Ils ont perdu leurs enfants, souvent il n'y en avait qu'un. C'est triste, c'est fort. Ils ont honoré leur pays et ils ont honoré le mien. Parce qu'il n'y avait rien qui les obligeait à venir et ils ont voulu venir. Et je trouve qu'ils se sont vraiment bien battus parce que sans eux, je ne pense pas qu'on aurait gagné la guerre. Les personnes qui ont pris les photos de tous ces soldats sont Louis et Antoinette Tuillier, qui étaient deux paysans qui habitaient à Vignacourt et qui tenaient une ferme, qui ont donc acheté un superbe appareil et qui prenaient en photo les civils et les soldats qui passaient sur Vignacourt. Quand la collection a été redécouverte, avec Valérie Vasseur, l'ancienne directrice du Centre Ado, on a décidé de faire travailler les ados là-dessus. Mon rôle pour mettre en valeur la collection de photos, bah déjà c'était de la présenter, d'apprendre la vie de certains des soldats et de connaître leur vie en Australie, ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs actions en France. Comme ils avaient travaillé pendant presque toute une année sur l'histoire de l'Australie, la culture australienne. Ces huit jeunes-là ont eu envie aussi de prolonger l'aventure au-delà du Centre Ado. Donc il est prévu d'essayer d'être en Australie pendant une période de 3 semaines qui couvrirait le 1er novembre. Ça sera l'anniversaire de l'inauguration de l'exposition Tuillier à Canberra et qui couvrirait également le 11 novembre puisque c'est une journée de commémoration de la Première Guerre. On va pendant un moment suivre la collection qui est itinérante à ce moment-là. Là-bas, ce qu'on espère faire, c'est rencontrer les familles des personnes reconnues sur les photos. Donc les Australiens sont venus se battre en France, alors que jamais on leur avait demandé. Donc je trouve ça vraiment héroïque, et beaucoup sont morts ici, donc j'aimerais aussi leur rendre hommage. Que ce soit vraiment un beau voyage, qu'on découvre vraiment plein de choses sur la culture, les paysages et les gens aussi. Puis aussi pour voir un peu les koalas et les kangourous.